Bonjour à tous, ici Clarstar avec mon orc, mon gobelin super moche, mais avec un crocodile des ténèbres dans Cube World. Comme vous pouvez voir, je suis même dans un biome un peu spécial. Enfin bref, on s'en bat les couilles. C'est une vidéo un petit peu, euh, petit peu discussion, très très court, très très courte, tout, tout ce petit, puisque je n'ai pas envie de dépiloguer. Ah euh, Bon bref. Euh, donc bonjour à tous, ici Clarstar sur mon gobelin tout moche. Euh, comme vous pouvez voir, il est assez dégueulasse. Hein. Donc, euh, Cube World, un jeu euh, basé sur le moteur graphique voxel. Euh, hein, je ne sais pas si vous l'avez loupé. C'est rare de loupé puisqu'il vient de sortir et que il a fait un petit, un petit buzz, comme on dirait. Mais c'est surtout, c'est pas un petit buzz. C'est qu'il est, il est vraiment sympa, mais assez compliqué. Euh, donc, euh, on va reprendre du début. Vous voyez que j'ai écrit un petit sommaire là dans le chat en bas à gauche. Donc, sommaire. On va parler de la, G, de la JE en premier. Euh, je vais essayer de vous faire, euh, pas des powerpoint, parce que je ne veux pas vous faire une présentation de powerpoint sur notre GE, Mais peut-être une petite vidéo avec vraiment les plus belles photos et les, plus, les, les moments qui m'ont le plus marqué. Je vais essayer de diviser les vidéos en différents thèmes, genre le cosplay, la maison de Kirsten. Euh, euh, enfin bref, je vais essayer de vous faire un petit truc. Bah, je prends mon temps. Euh, c'est pas comme je, je faire les vidéos, vraiment, des vidéos, c'est vraiment, c'est pas une course, de hein, toute façon, c'est vraiment personnel et j'ai envie de, de faire ça bien. Je vous expliquer ce qu'on a rencontré, ce qui était sympa. Pour moi, c'était vraiment 4 jours extraordinaires et, et vraiment le plus beau moment, c'était quand il y avait quelqu'un qui faisait Excusez-moi, vous êtes Claire Star et là je faisais Ouah <laughs> enfin, bref, j'étais vraiment choqué que quelques personnes me reconnaissent, surtout que bah. Euh, j'ai jamais réellement montré ma tête, souvent c'était avec une qualité euh, médiocre, mis à part récemment où j'ai mis 2-3 photos de la JE. De la euh... Sinon, je ressemble à un gobelin. <laughs> non, non, je ne ressemble pas à un gobelin. Ce serait kiffant hein, de ressembler à un gobelin. Enfin, bref. Euh... Donc, la JE, je vais essayer de vous faire vraiment un, un truc. Je prends de mon temps, euh, je ne suis pas en vacances, euh, je travaille toujours. Et, euh, et vous faire un truc bien. Voilà donc euh, voilà pour la JE. Je lâcherai quelques photos sur le Facebook ou sur le Twitter que vous pouvez suivre grâce à cette belle post prod. Hein, je... C'est rare que euh, qu'on fasse directement de la pub pour le Twitter ou le Facebook, mais vu que c'est une vidéo un petit peu annonce, pas trop gameplay, euh, juste euh, on voit un petit peu à quoi ressemble Cube World euh, un petit peu, mais c'est pas vraiment ça. Enfin bref, c'est une annonce. Enfin bref, arrête de parler comme ça. Euh, donc voilà Twitter et le Facebook que vous pouvez suivre, hein, on met euh, vraiment pas mal de, de news surtout le Twitter qu'on a vraiment beaucoup monté et puis euh, moi ça m'a permis de, de suivre pas mal de personnes et donc euh, de, me, de me rapprocher euh, par exemple de hashtag bouffouf ou euh, m'excuser auprès de Léo enfin plein plein de conneries comme ça euh, qui, qui sont cool c'est vraiment cool Twitter au final euh, après de avoir pris du recul au niveau communication euh, partage c'est un must. D'ailleurs, je sais pas si vous faites des vidéos YouTube, c'est vraiment un truc qu'il faut pousser au maximum, se faire des relations et, euh, et ainsi de suite. Donc, sinon, Cube World, on va switch sur le deuxième petit point. Cube World, euh, je vais tenter euh, de faire des vidéos dessus, mais euh, je, je dévoile rien pour l'instant. Je vais en faire. Euh, je, comme je l'ai dit, c'est pas une course. Je m'en fous que les autres euh, Youtubers euh, ils en fassent. C'est même plutôt cool parce que ça permet de, de promouvoir un peu le jeu et qu'il avance plus, qu'il se vende plus, donc le mec il va travailler plus, donc il va, il va engager des gens, donc ça va être encore mieux. Euh, juste deux trois petits mots dessus. Ce jeu, on ne comprend rien quand on arrive. J'ai galéré euh, pendant bien euh, 21 heures euh, à rien comprendre de ce que je faisais. En plus, je crois que j'avais pop la nuit. Enfin bref, c'était un bordellement, je comprenais rien. Vous voyez, on peut avoir une petite lampe. Enfin bref, euh, c'est super super galère. Euh, je vais donc jouer à Q-World. Euh, J'y joue même en ce moment. Vous voyez, je suis level 14 avec mon rogue avec une grosse épée. Le truc qui n'a aucun rapport. Vous voyez, mon épée dégueulasse. Enfin bref, j'en suis plutôt content, c'est ma première épée dégueulasse. Bref, je vous montrerai la deuxième un de ces quatre. Euh, mon crocodile que j'ai appelé Kijo. Bonjour Kijo. Kijo qui, qui est censé jouer avec moi, mais malheureusement son PC a un peu du mal, donc c'est super galère. En plus je voulais faire des trucs avec lui et, et Kerst. Et même j'avais prévu aussi une aventure suivie avec Jiraya Zerator, euh, qui d'autre j'avais euh, nommé euh, euh, Baramut. Et euh, on, était, on était déjà 4. Donc j'avais prévu ça. Genre je voulais regrouper un petit peu tout le monde euh, sur ce jeu. Euh, mais c'est vrai que personne n'a les mêmes horaires. Donc c'est un peu galère. Baramud qui est en stage à l'étranger. Euh, Jiraya, bah, si Jiraya, ça va. Je pense que je se débloquer. Et Zerator qui n'a plus internet. Donc c'est un bordel monstre. Euh, je deviens visible. Euh, donc on va passer à LOL. Euh, LOL. Euh... Je n'ai strictement pas arrêté, j'adore ce jeu. Euh, J'arrêterai quand j'en aurai ras le cul, mais pour l'instant on a un nouveau champion qui va sortir, qui est sorti peut-être, je sais plus s'il est sur le PBE, qui s'appelle euh... Qui a des pistolets, voilà, qui est censé être un AD mais les gens jouent à P, enfin bref, un, un truc dans le genre. Bref, c'est un mec avec des pistolets noirs, enfin... Le, il est noir le personnage, oui, oui, oui. Euh, c'est très bien, c'est un peu de diversité. Je crois qu'il y en avait déjà, il y en avait déjà des, des personnages noirs. Mais bref, on s'en bat les couilles. <laughs> euh, c'est très bien, bref. Euh... Lol, donc c'est cool. Euh, la semaine dernière, on a raté la Age of Eclipsia parce que parce qu'il parce que y avait des réunions que j'étais ultra fatigué. Je sortais de la Japan Expo donc j'avais pas forcément euh, envie. Euh, j'étais fatigué, j'étais super fatigué. Je le suis encore un petit peu, je suis un peu malade. Donc c'était un peu euh, dur. Les Coro store j'en ai 3-4, mais qui datent de 2-3 mois, si vous voulez. Donc je vais les mettre, parce qu'elles sont excellentes et qu'elles me font rire comme, des, comme un, un gosse. Euh, elles me font très très rire. La Coro store numéro 6 est toujours interdite, je, la vous, je vous la montrerai un jour, euh, sous de, de conditions. Au pire, je, je vendrai les droits de la numéro 6. <laughs> <laughs> je, 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 je gagnerai des choux comme un Regardez mes yeux, le truand. Alors, ouais, j'ai aussi un autre truc. Dans la semaine sur Facebook, j'avais trouvé un jeu bêta qui s'appelait B-Drop. Et, euh, et c'est un jeu en fait. Euh, c'est pas un jeu. <laughs> c'est un truc pour se faire des thunes en fait. Et malheureusement, je, je ne savais pas. Moi, j'avais vu ça comme un jeu bêta. Donc je, je tiens à faire mes, mes excuses auprès de, de, toutes, de, de tous les gens que j'ai truandés. <laughs> en plus, j'ai rien gagné puisque je même pas atteint le niveau 3, je suis niveau 2. Euh, donc c'est une sorte de site web qui se présente comme un petit jeu. Et euh, je vais rajouter bidrop. Bidrop. Euh, ça se présente comme un petit jeu où vous montez votre level et vous devez euh, donner, euh, faire, vous faire inscrire des gens. Et en fait, c'est un type de jeu pyramidal qui n'est pas un type de jeu mais un, une sorte de crowdfunding. Uh, pas crowdfunding parce que ça me fait penser à Usul là où. Uh, pas Usul. Si Usul est une ma majeure compagnie, mais. Du on amène des gens sur le site web et euh, il se passe que plus vous amenez de gens, plus vous faites des tunes sur leur dos parce que ça, de ça devient une sorte de, de grosse pub gigantesque. Et, bref, bref, bref c'est à peu près le principe. Si quelqu'un a un, une meilleure définition de, de B-Drop, je la prends avec plaisir dans les commentaires. Euh... Sinon, dans les commentaires, vous pouvez aussi penser que vous êtes jaloux de mon crocodile. Je vais même vous montrer quelques autres pets. Euh, alors lui, alors lui, il est trop joli. Enfin bref, ça va vous donner envie d'acheter le jeu, mais c'est pas bien, c'est pas bien. Pas euh, je vais vous montrer un autre truc stylé, plutôt stylé. Euh, alors ça c'est une mouche on peut pas la monter il y a certains pets qui sont pas montables mais elle est grave c'était enfin bref une trompe assez dégueulasse j'ai j'écolote j'ai lui mon Bumblebee enfin j'appelle Bumblebee mais c'est une beetle j'écolote euh, j'ai un lapin le Bunny évidemment euh, le crabe qu'on ne peut pas monter euh, le ship <laughs> qui est super rigolo euh, je suis en train de reparler de cube world à nouveau ça me passe pas, bilbi, mouche canard, euh, mon truc qui tire des, alors lui il tire à distance c'est un, dé... un range, et il est grave stylé et il me reste mon croco que j'adore Je crois que... ah si j'ai raté l'alpaga donc spécial dédicace à Baramout, j'ai un lama <laughs> donc je pense que t'as grave le seum Barastu cette vidéo <laughs> allez le spammer sur son facebook genre Claire Story il... il te monte genre vous mettez un... un petit message sur son mur, genre Claire Store, il te monte mais, genre, euh, salasse, quoi. <laughs> genre, vous prenez un screen de la vidéo, je la genre, oh oui. <laughs> enfin, bref, euh, euh, je re-regarde mon, mon sommaire, je pense avoir fait un, le, le tour de, de, mes, de tout ce que je vais faire. Donc, euh, ça va être un mois keep cool. Donc c'est vrai que vous allez avoir beaucoup de jeux vidéo de gel, euh, mais c'est bien parce que ça va vous permettre de le retrouver un petit peu, euh, aussi bien la sortie de LOL aujourd'hui, vraiment excellente. Euh, et puis euh, n'oubliez pas, hein, dites-lui ses erreurs pour qu'il s'améliore le bougre. <laughs> Quand il commence avec le A en sion AD, euh, dire, euh, ne l'incendiez pas, mais euh, dites-lui tout simplement euh, tu es nul. Tu es nul. Rare, rare. Euh, merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo. N'oubliez pas de, de partager hein, si vous voulez faire, me faire découvrir à d'autres gens. Hein, je veux dire, vous êtes les bienvenus autres voyageurs de l'espace. Euh... Oh non, ah non, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas, je ne tomberai pas. Ça me rappelle une vidéo d'un parachute. <laughs> Merci à tous d'avoir regardé. C'était Claire Store qui galère avec son petit Wouhou uh, À bientôt sur Cube World. C'était Claire Store <laughs>